Et salut à toutes et à tous les amis, c'est Francky, on se retrouve pour une nouvelle petite session, je crois que c'est le numéro 4, l'aventure numéro 4 de Spider-Man Miles Morales. On va continuer un petit peu cette petite session-là. On va alors juste... Allez, on continue. J'espère que les trains sont repartis. Je devrais demander à Oncle Aaron. Voilà, merci. Juste pour info... Ouais, Monsieur Davis, qu'est-ce que ça donne chez vous? Le signal est revenu, mais toujours pas de train sur les voies. Il a dû se passer quelque chose au dépôt. C'est l'Underground qui avait touché à vos capteurs. D'ailleurs, vous savez si Roxxon utilise le métro pour transporter d'uniformes? Roxxon? Le métro a été conçu pour transporter des gens, pas des marchandises. Mais il y a eu des changements sur cette ligne quand Roxxon Plaza a été ajouté. Alors, il pourrait l'utiliser de façon clandestine. Je vais y regarder de plus près. Vous me parliez d'un frère? Vous avez de la famille? Je les ai pas vus depuis longtemps. J'ai dû faire des changements, comme prendre ce boulot. Mais il me manque. Surtout mon neveu. On faisait du son ensemble. Peut-être que vous pouvez le revoir maintenant. Enfin, les revoir. Votre ami. J'espère, petit. Bon, je vous laisse. On va combattre l'Underground. A plus. Ouais, ok. Donc, juste on reprend là où on s'était arrêté la dernière fois. Désolé les amis, petite coupure, juste ma télé connectée en fait. Quand je dis OK, faut pas que je dise trop fort. Quand je dis OK, ma télé a un capteur vocal qui fait qu'elle s'enclenche automatiquement. Donc voilà, elle s'est encore enclenchée. Bref, je suis désolé, petite coupure. Alors, juste pour vous dire, on s'était arrêté avec les petites missions annexes où on doit récupérer les caisses des méchants et on doit transformer faire évoluer nos petits gadgets. Donc ça fait partie des petites missions annexes. Là, on va revenir sur une autre mission. L'Underground, ça cache tout. Je peux peut-être les arrêter discrètement. Allez, baignez-vous. Tigran nous a dit de pas traîner. Bah ouais, ça. Donc, appuyez sur R3 pour afficher les ennemis pouvant être éliminés sans danger. Alors. Je dois faire en sorte de les séparer. Eh oui, il faut les séparer. Donc, si viser, maintenez pour viser un objet. Concept exactement identique à ce qu'il y avait dans le précédent Spider-Man, à savoir donc quand tu as deux ennemis qui sont côte à côte, tu essaies de les séparer en faisant un petit peu de bruit pour faire attirer l'autre dans une direction, etc. Et pendant que l'adversaire qui est tout seul, tu le prends, tu le captures et tu l'élimines. Vraiment très 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 similaire à ce qu'on peut trouver sur du Batman. Il n'y a pas de grosse évolution de gameplay à ce niveau-là. Donc là, l'objectif, c'est de faire évidemment un petit peu... Or là, tu l'élimines de manière plutôt violente. Ne regarde pas. Je devrais essayer les lentilles de Peter. Maintenez R2. Maintenant, je peux les suivre. Ok, bon, moi, je vais essayer de faire des éliminations furtives dans un premier temps. Je suis pas sûr que ce soit très sûr de l'éliminer, hein, puisque. Avant que les flics débarquent. Qu'est-ce qu'il a, ce machin? Alors, on va essayer de continuer nos éliminations furtives, parce que là, on est en mode très difficile, donc ça veut dire que ils seront peut-être moins. On va dire plus attentif que ce qu'on peut le faire d'habitude. Tac. C'est quoi ça? Bah, c'est quoi? C'est Spider-Man, évidemment. C'est un petit canaillou. Pourquoi c'est si long? Ouais, je sais. Et après, ils se prennent pour des fous. Sûr. Tu vas balancer? Ça nous permet d'être plus efficaces. Oh, c'est une dame. Bonjour madame, enchanté. Hop là, hop là, hop là, hop là.
Ouais, il va te répondre. Salut, c'est moi Spider-Man, salut, ça va? Comment tu vas? En forme? Bah comment tu sais que c'est Spider-Man? Eh, parce que tu as vite étoile, petit canaillot, va. Oh! Ouais, j'y vais. J'y vais, j'y vais. Bah, je te confirme. Alors, on va. Là, la technique, c'est vraiment de se propager. De se propager. De se déplacer de zone en zone. Tu en élimines un par-ci par-là. Et une fois que tu en as éliminé un, bah, tu te focalises sur un autre. On continue. On va se mettre là. Alors par contre dans le premier Spider-Man il n'y avait pas beaucoup de filles, donc c'était rare de s'attaquer aux femmes. Il en reste plus beaucoup. Il en reste plus beaucoup. Ils sont où? Là, un, deux. Sûr. C'était quoi? Ben Spider-Man, t'es con quoi. Et enfin, on termine par la petite dame qui est là-bas. Tu l'as pas vu venir. Et voilà, on a entièrement sécurisé la zone. Ah On va mettre des rames sur les voies maintenant. Les commandes doivent être dans le bureau. Hop là. Voilà. Tinkerer, c'est leur chef d'après Oncle Aaron. Alors dans le bureau, non, ça pue hein. Ils ont détruit les commandes. Oh, pas bien. Hop là, il y a un truc à faire là. Il n'y a pas un truc à faire là, il n'y a pas une petite commande là. On Voilà. doit remettre les wagons sur les voies à la main. À la main? À la toile. Il y a une plaque tournante. Faire tourner la plaque et tirer les wagons avec des toiles. Ça devrait marcher. Bah oui, tu penses. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors, viens voir. On va remettre les wagons. Alors, comment on va faire pour remettre les wagons? On va le faire à l'ancienne. Hein. À mon avis, il faut d'abord mettre le wagon plutôt dans le sens. Ça marche, je suis presque. Et une fois que je suis dedans, comment on fait pour le faire déplacer le wagon? Malin. Si tu me dis qu'il faut le pousser. Cool. Ouais, nickel. Les autres maintenant. Ok. D'abord, l'Underground cherche des cargaisons de Nuform et après, ils coupent le métro. Ils veulent peut-être empêcher le Nuform d'atteindre la ville. Attends. Je dois le maintenir en bas. Bah oui, je te confirme, mais t'es con quoi. Allez, Miles, fixe les mécanismes. Et je fais quoi depuis tout à l'heure, espèce d'idiot? On va essayer de monter, voir un petit peu plus d'hauteur. Pour voir un peu, ça sera peut-être plus simple. Est-ce qu'on arrive là? Non. Mais t'es nul! Oh mais arrête de sauter comme un petit cabri! Voilà! Donc la Non mais. est déterminée à retourner partie de la famille. Je devrais le contacter en tant que Miles. Mon père n'a jamais dit ce qui s'était passé entre eux. Ça devait être grave. Yes! Allez, encore un. Voilà, petit Spidey. Alors, et. Quel autre?
Pourquoi? Attendez, je vais essayer de... Alexer, petit garçon. Je dois bouger un autre wagon, comme le premier. Oui, j'ai compris, mais... Ah, oh, mais t'es... Oh! Bah oui, mais comment tu veux que je fasse boucher notre wagon? Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. Oh là, c'est moi qui suis bête. Oh là, je suis bête comme... je suis désolé, ouais, ça va. Hein. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi. Voilà, et maintenant on va tout remettre en place. On va faire tac. Ça y est, les wagons sont sur la voie. Oui. Maintenant, il leur faut du courant. Ouais. Là aussi, ils ont saboté les commandes. Pas le générateur. Oh, je vais mettre du courant, je t'ai dit. Comment je fais pour mettre le courant déjà? Ah oui, c'est là. Ok, je peux m'en servir pour alimenter les trains. Enfin, j'espère. Mes toiles sont conductrices. Oh, maintenant, tu visais, tirer une toile sur conductrice. Ok. Tu es con quoi? Maintenez L2 et appuyez sur R1 pour tirer une toile conductrice. C'est ce que je... Ah putain, c'est là, je suis nul. Ah oui? Appuie. Continue à appuyer R1 et mettez. Ah ok. En fait, j'ai pas compris. J'ai dit... Ah ok. Voilà. Bon. Excusez-moi, j'essaie d'assimiler le truc. J'ai un petit cerveau. Allô, monsieur Davis? Vous voyez un changement de votre côté? Les panneaux viennent de s'allumer comme si c'était Noël. Bien joué, petit. Content de vous avoir aidé. S'il y a un souci, postez une demande dans l'appli. Attends, j'ai un truc pour toi. C'est pas grand-chose, mais... C'est... pour moi? C'est la moindre des choses, vu que tu viens de m'éviter de perdre mon boulot. Cool, cool. Bon ben, j'arrive. Bon, il faut que j'aille voir Tonton. D'abord, on va aller voir Tonton. Tu viens d'arriver en Europe. Comment se passe ton premier jour de Spider-Man en solo? Plutôt bien. J'ai découvert une conspiration dans mon quartier. Classique. T'as un plan? J'improvise un peu comme ça vient. Ah, tu parles comme un vrai Spider-Man. Bon, si t'as besoin de moi, je serai à l'autre bout du fil et de l'autre côté de l'Atlantique. Mais ça ira. Ça marche. Oh, et merci pour le cadeau. C'est mortel. Oh, MJ me fait signe, je dois y aller, bye. Donc là, je viens de récupérer, j'en profite, tu vois. En fait, c'est ce... L'appli cartonne depuis que t'as relancé le métro. T'as trop de demandes. Comme... Oh, et celle-là vient de Théo. Il est trop cool, ce gars. Wow, faut vraiment que je regarde. Maintenant, quelqu'un qui compte sur moi. On est l'appli la plus populaire du moment à New York. Jette un œil quand t'auras fini avec ton oncle. Il sait toujours pas qui t'es vraiment, si. J'ai failli me griller une ou deux fois, mais j'ai tenu bon. Je regarderai l'appli dès que j'aurai terminé ici. A plus. Ça y est, je peux parler maintenant, merci. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que en parallèle de la quête principale ou des quêtes annexes, etc., vous avez la possibilité, effectivement, de vous lancer dans les missions de Spider-Man, tout un tas de choses. Donc il y a des infinités de choses à faire. Alors, quand je dis infinité, je sais pas exactement ce qu'il y en est, mais je sais que sur le premier Spider-Man, la version PS4, il y avait effectivement beaucoup de choses à faire. On va regarder par exemple, vous voyez, tout ça c'est tous les coffres que je dois trouver pour récupérer un truc et faire évoluer mes personnages. Là, c'est une mission, un défi de parcours, donc c'est pas encore disponible. Enfin, c'est pas encore disponible, c'est pas disponible pendant l'émission, mais c'est des défis parcours, c'est-à-dire que là, il faut se déplacer rapidement, gagner en moins de 30, voilà, par exemple, moins de 35 secondes, moins de 45 secondes et vous supérez à 45 secondes, voilà, ça c'est ce qui vous permet de faire ce parcours en moins de temps possible. Là, vous devez faire des records de coups, etc., etc. Donc, on va juste finir cette mission-là. Et on reviendra après sur la quête principale. Donc la quête principale, dans le premier, c'était marqué par une étoile, un triangle jaune, pardon. Là, c'est marqué par un triangle bleu turquoise, bleu vert.
Donc voilà, on va continuer comme ça. On va faire cette mission là et après on se quittera là-dessus. Ouais, j'ai perdu un peu de temps avec cette histoire de train, je suis désolé, hein, j'ai un peu galéré. Hop là. Bon là j'ai marqué en plus le point de recherche pour aller faire le prochain point blanc. Je rappelle Finn quand j'aurai aidé Aaron. Ouais c'est ça, rappelle Finn. Oh salut monsieur Davis, je suis bientôt là. Dépêche-toi Spider-Man, l'Underground est là, ils mettent des bombes sur les voies. Oh, c'est pas gentil ça. Ils ont pas dû aimer tes réparations. Je vais faire au plus vite. Accrochez-vous et surtout ne sortez pas. Allez. Youhou. Et voilà, on y est bientôt. Plus que 170 mètres. C'est là. Oui. Petit écureuil, j'ai pas vu la bombe. Il faut vite que j'arrête ça. Ils vont faire sauter toute la ligne. Pas si je m'en occupe. Je me suis débarrassé des bombes. Autour de ces types maintenant. Ouais, il faut que je m'occupe des bondes. Des bondes ? James Bond. C'est le but. Il y en a une autre, après le croisement. Ça marche. Alors hier soir, vous découvrez que le Nucor passe par le métro. Fini non? Ça a l'air hein. T'as réussi petit. Mais oui. Et on est débarrassé de l'Underground. Tu gères. Grave. Grave. Prochain métro dans 5 minutes. Merci de vous éloigner de la bordure du quai.
l'Underground a ruiné mon costume. Faudrait que je m'occupe de ça. Ah, je te confirme. Oh là là, oui, tout abîmé. Allez, on va voir un peu les tenues qu'on a. Est-ce qu'on pourrait changer de tenue? C'est quoi ça? On a un moment de sélectionner. Et on le maintenant. Ok. Alors, attendez. Hop là, hop là. Normalement. Voilà, toutes les tenues qui sont disponibles. Potentiellement, je peux mettre un peu la tenue dont j'ai vraiment envie. Donc la tenue, elle est vraiment très très abîmée, celle-ci. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup. Voilà, vous voyez, là, j'ai potentiellement toutes ces tenues-là qui seront disponibles avec chacune. Alors, de temps en temps, elles ont des facultés. Par exemple, là, celle-ci, elles n'ont rien de spécial. Celle-ci, elle a rien de spécial. Par contre, c'est dit, voilà. Débloque le mode de tenue lanceur puissant. Augmente les dégâts des tenues, des objets lancés, pardon. Donc là, ça veut dire que chaque tenue a une capacité particulière qui me permet de faire plus de choses avec mon petit Spider-Man et de faire évoluer un peu la chose. Quand on voit les Spider-Man est tout noir, c'est que les tenues ne sont pas encore débloquées ou débloquables. Donc, on va continuer comme ça. On va rester avec cette tenue qui est toute abîmée. C'était un peu le même cas dans le Spider-Man premier du jeu. Ouais, grâce à toi. Oh tiens, un cadeau. Une carte de métro annuelle illimitée. Merci. C'est Miles avec un seul L. Comment t'as... Ok, je dois y aller. Attends, Miles. J'ai eu des soupçons en regardant le journal télé hier. Quand je t'ai vu te battre contre ces prisonniers, tu esquivais dans tous les sens. J'avais l'impression de te revoir jouer au basket avec ton père et moi. Avant t'étais rapide, maintenant t'es une flèche. T'en fais pas, je dirai rien à ta mère. Promis. Promis. Regarde-toi, si ton père pouvait te voir... Il serait sûrement Furax. Il serait carrément Furax. Alors, tu vas remplacer l'autre Spider-Man? Non, je te l'ai dit, il est juste en vacances. Je vois, et il t'a confié la ville? Ouais. Une grosse responsabilité pour un gosse de ton âge. Ça me fait pas peur. J'espère. Mais écoute, si t'as besoin d'un coup de main, tu m'appelles. Je veux t'aider. Ok? Ça marche. Merci. Bon, le secret n'aura pas duré longtemps, hein. Voilà, maintenant on sait tous que Spider-Man est sympa. Sympa, jouer le truc. On sait tous. Enfin, son oncle sait que Spider-Man c'est Miles Morales. Donc, le secret est enfin rompu. Merci, Spidey. Voilà. Donc, les amis, on va se quitter là-dessus. Hola, mijo. J'écoute juste le moment. Je peux te dire que mon food truck préféré sera au rassemblement ce soir. Cherche un logo avec un kebab géant. Ok, merci pour le tuyau. Hey, maman, je voulais te demander. Vu que t'es au courant de tout ce qui se passe à Harlem en ce moment, t'as entendu parler de l'Underground? Oui. Ils n'arrêtent pas de vandaliser les propriétés de Roxxon. Et je crois qu'ils recrutent même les jeunes du quartier. Pourquoi? Ils n'ont pas essayé de te mêler à leurs histoires, j'espère. Non. Oncle Aaron m'a déjà prévenu. Je l'ai croisé à la station de métro près de chez nous. Tu savais qu'il bossait là-bas? Non. Tu sais très bien que je ne veux pas que tu le fréquentes. Oh. Et papa et toi m'avaient jamais dit pourquoi j'avais plus le droit de le voir. Il venait tout le temps à la maison avant, je comprends pas. Ça, c'est à Aaron. Attendez une minute! Désolé, on est en plein préparatif. C'est pas grave. Va sauver le monde, maman. Un vote à la fois. Je t'ai déjà dit que t'étais mon fils préféré. La concurrence est rude en plus. Bisous. Voilà, cette fois c'est la bonne. Allez, donc il va y avoir sûrement un petit parcours à faire par Miles Morales pour qu'il découvre pourquoi son oncle est feu son papa et son oncle sont en froid. La vache, un stand de charité est en train de se faire piller. Ouais, bah, je m'occuperai de ça plus tard. On va vraiment s'occuper de quitter. Les amis, voilà, allez, cette fois c'est bon. Allez, on se quitte là-dessus, donc n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus si la vidéo vous a plu. On se retrouve bien évidemment pour d'autres aventures très 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 rapidement. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Salut. Miles, on se voit toujours aujourd'hui? T'as jamais répondu à mon message? Oh ouais, désolé, je me suis un peu laissé déborder. Mais je suis libre maintenant. Où ça? Ok, à l'angle de la 78e et de West End.
78e, près du Forum des Sciences? C'est quoi là-bas? Tu verras. Sois à l'heure. 78e et West End. On verra bien ce qu'elle a voulu dire. Faut pas que je traîne.